Bonjour. Est-ce que Phil est là? Oui, oui. Là. Vous avez peut-être un petit écho là. On vous entend. Faut les remettre sur bien. Alors, David. David m'entend. Est-ce que vous avez de l'écho Du tout, on a absolument aucun écho, mais je sais même pas si vous nous entendez en fait. Super. Randall. Je crois qu'il nous entend. Il passe directement. Oh, les gens. Hey, pas geek. Alors, pour le jeu. Vous entendez ou pas? Oui, on vous entend. D'accord, très bien. Alors, pour le jeu, ce que je propose, c'est que, en fait, étant donné que ça va être compliqué d'avoir quelque chose de cohérent entre le Mumble et vous, c'est que, en fait, je pose des questions au Mumble et toi, David, tu poses des questions aux gens qui sont autour de toi. Ça me paraît le plus simple. Ok, ça me va. Bonne idée. Et sauf à l'exception du jeu de la valise, où là, ça va être très simple. En fait, ça va être un coup le Mumble qui fera une équipe et un coup vous qui faites une deuxième. Est-ce que tu comptes dans le Mumble les gens qui sont éventuellement sur le chat auditeur? Pour le jeu de la valise, ça va être compliqué du coup. Oui, c'est vrai. Mais non, moi je comptais par exemple iTruc, s'il est toujours là, Karine, si elle est toujours partante, Kenton, s'il est toujours chaud, et puis Pof qui est à côté de moi. Hein? Ah oui. Bonsoir Pof. Émission, oui, je suis Karine, là. Karine, elle est pas sur Mumble. Hein. Bonsoir Kenton. Je sais même pas si vous l'entendez. Karine, en fait. On la voit sur Mumble. Hein. Ouais, elle est toujours sur, toujours marquée sur Mumble. Hein. Oui, moi je suis là. Sur votre Mumble à vous. C'est ça. Ah, parce que et moi je suis là aussi. On va faire une équipe un peu réduite ici. On va demander en tout cas à Kenton, c'est sûr. Zertof aussi. Mais moi je suis là. Ouais. Non mais Kenton, il fait partie de l'équipe Mumble du coup. Je sais même pas si vous entendez en fait parce que. Mais si on t'entend Kenton. Ah, si on t'entend Kenton. On dit juste à David qu'il est con. Par contre, je crois que vous êtes en train de tondre quelqu'un. Allô? Oui. Ah, oui. C'est bon. C'est bon. Donc on sera 4 de notre côté. Enfin, il y aura 4 participants. Ok, impeccable. C'est à 32, c'est bon. C'est le petit côté collabo. Donc, ah oui, c'est ça. Randall, il est là. Ça y est, ça parle de nazi encore. Pof, non, mais elle a couché d'allemand. Est-ce que tu peux nous mettre un petit jingle, s'il te plaît? Un jingle. Histoire de démarrer. Vous le faites vous-même, le jingle. Allez, c'est parti. À la bûche. Ah non, c'est trop fort. C'est là. Ça va être là. Ça, c'est super. Mais à la fin. Ça dure 3 heures. Ça dure 3 heures. Il fait seulement 65 de la playlist. Bonjour et bienvenue dans La Truelle. C'est comme le duel, mais ça a été fait avec le cul, donc avec la Truelle. Une émission co-présentée et co-animée par Bad Geek et Podchose. Avec inversement du respectif. Tu cries vraiment. D'un et côté, il est 4h du matin. D'un côté David tu et de parler moins moi-même. Fort en étant si près du micro. Salut Phil. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un truc pour tuer les moustiques ou vous tondez quelqu'un? Parce qu'il y a un bruit bizarre de tondeuse. Alors pour l'instant non. Je pense que David se tond les poils pubiens en direct. Mais ça ne saurait tarder. D'accord. Du coup dans cette première manche, que si ça te dérange pas David je vais présenter. Oui vas-y chantez. Nous allons donc faire le jeu de la valise, hein, c'est relativement simple. J'espère qu'il y a au moins deux manches parce que sinon on pourra on le fera. Alors, il nous manque encore un membre hein, qui est parti faire la petite la pause pipi. D'accord, très bien. Il va revenir d'ici une minute, il comprendra très vite. Tu sais, c'est Randall, à son âge, ça peut durer longtemps. Ah ouais, c'est pas faux. Donc, le jeu de la valise, quoi qu'est-ce, une équipe... Vraiment, tu cries très fort. Alors, je vais enlever, une oreillette. Comme ça, tu te rends compte que tu parles vraiment très fort. Donc, simplement, on va avoir comme thème, quand je fais une émission, j'utilise. Et donc, on va vous donner un petit exemple avec David, par exemple. Est-ce qu'on peut dire genre ma bite ou pas? On peut dire absolument ce qu'on veut. Donc, David, on va faire un petit tour de chauffe pour expliquer. Ouais. Donc, voilà, donc moi, quand je fais une émission, j'utilise des pitchs. Voilà. David, à toi. Par des brioches. Ça me va. Je suis là, je t'écoute comme je peux, puisque les autres parlent aussi. D'accord. Et du coup, c'est à toi de jouer maintenant. Ah oui, d'accord. Quand je fais une émission, j'utilise un pitch que tu avais dit. Des pitchs. Et une table de mixage à 16 entrées programmables. Oh putain. Alors, quand je fais une émission, j'utilise un pitch, une table de mixage à 16 entrées programmables et un skateboard bleu à pois jaune. Tu sais qu'on est à la chartreuse. Mais du coup, skateboard... c'est pas mal comme ça, vous laissez jouer tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Un skateboard bleu à pois jaune. Attends, dis au revoir à Irslo quand même et à Violaine qui nous a fait des gâteaux de folie. Oui, le dessert était vachement bon. Merci beaucoup et soyez sage sur la route. Hein. Ouais. Bon retour. Qui c'est qui conduit? Vous avez des alcotestes, les gars? Toi non plus. Toi non plus.
Ah bon. Hirslo. Excusez-nous, on ne vous écoutait plus. Hein. L'équipe autre chose, on disait au revoir à Hirslo. Mais est-ce que vous avez des du podcast Lifestyle, il faut le rappeler. Allez. Et donc, on en était où, ami Phil ? Eh ben, je viens de te rajouter un skateboard bleu à pois jaune. Moi, je me rappelle l'année dernière, à Podmi, j'avais sorti une bière. Salut, et Phil m'a incendié, mais d'une force. Et un skateboard, oh bah, un skateboard bleu à poils jaunes. Là, la chartreuse commence à faire effet, je te l'avoue. Il n'y a presque plus de chartreuse et il n'y a plus de rhum. Il reste de la poire, de la pomme, pardon. Donc, quand je fais une émission, j'utilise un pitch, une table de mixage à 16 entrées. Et ah, un le pitch, on l'a vu hein, pour la première. Bleu. Pour le truc de cuisine, là, le pitch, il est mis un peu haut. Hein. Alors, tu as perdu, et David. J'utilise aussi un PC de marque Z10 4432. Oui, mais tu as perdu. Tu as perdu. Tu as oublié que ta table à 16 entrées, elle était programmable. Ah oui, elle était programmable, ma table. Oui. Ah, merde. Tu bois. Voilà, donc maintenant que vous avez compris le principe, nous allons pouvoir commencer. Je propose... Soyez très... voilà. Soyez, écoutez. Je propose c'est de laisser l'honneur... C'est l'équipe du Mumble contre l'équipe en local, et c'est le jeu de la valise où tout le monde ajoute un... Voilà. Je propose de laisser l'honneur au Mumble, dans un premier temps. Voilà, le Mumble... Pour choisir le premier mot. Donc, le Mumble, quand je fais une émission, j'utilise... De la ciboulette, très bien. Ce sera la première réponse du Mumble. Donc quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette. À vous, Bad Geek. Ah d'accord, on passe à nous. Ah d'accord, ok. Donc, on en est à quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette. Flag, à toi d'ajouter un truc. Quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette et des castors. Ok. J'ai un trop avec. Soyez attentifs, s'il vous plaît, les gars. Alors, le Mumble, du coup, quand vous faites une émission, vous utilisez quoi ? Des castors. Le Mumble, vous êtes là ? Quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette et des castors. Oui. En enlevant les poils. En enlevant les poils, très bien. C'est plus prudent. C'est sale. À la ciboulette ou au castor? T'as ciboulette. Jamais mangé du castor? Pas récemment, non. Du coup, enlever les poils. À vous, Bad Geek. À toi, Shoutan. Quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette, un castor, j'enlève les poils, mais je rajoute des nouveaux poils sur le castor à partir de poils déjà utilisés. Ouais, le mec simple. Je savais qu'il allait dire ça. Ok, donc le Mumble, c'est à vous. Alors, David est obligé de fixer un point là. L'animateur. Moi je peux si vous voulez. David, c'est okay. Rire, c'est vomir. C'était le high truc. Ouais, ça devrait être high truc en vas-y. Théorie. Alors, vous moi je vais lancer alors. Quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette, des castors, ouais. Dont j'enlève les poils, ouais. Mais j'en remets des poils déjà utilisés. Ok, très bien. Très bien, c'est très bien. Et je lui colle un balai dans le cul. Bah, j'ai le droit de faire des brochettes, non ? Très bien. Ah, c'est bon, les brochettes castor. Okay. Ça va être à Loli, donc. Donc, quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette, un castor à qui j'enlève les poils, et je remets des poils déjà utilisés, je lui mets un balai dans le cul, et après, le tout, je le range dans une mallette. C'est bien. Okay. À vous, Mumble. Au Mumble. Ouais, j'aime ça. Ça va être à toi, Pof. Ah bah, c'est à moi, oui. Ouais. Du coup, quand je fais une émission... J'utilise de la ciboulette et un castor, je lui enlève les poils, je lui remets des poils déjà utilisés, je lui mets un balai dans le cul, et je mets le tout dans une mallette, ouais, okay. Et j'ai oublié mes chaussettes. Okay. C'est bon, ça, des chaussettes, ça sert. Après, t'auras froid au pied. J'y vais. Alors, fais une émission, je suis à ciboulette, un castor, je lui enlève les poils, je lui remets les poils, je lui mets dans le cul, je range une mallette, j'oublie mes chaussettes, mais en même temps, vu à ce à quoi ils ont servi, il vaut mieux pas.
Ok, une tournure de phrase pour les détails, pas évidente, mais c'est votre tour. Ok. C'est au tour de Kenton, il me semble. C'est au tour de Kenton, c'est ça. Kenton, toujours parmi nous ? Kenton, t'es là ? Attends, il va chercher ses post-it. Kenton ? Ah, en l'absence de Kenton, Karine va devoir... Ah non, oui d'accord, il vient de dire j'ai le temps d'aller pisser, et après il a dû entendre son nom, et il a fait bon bah je... Super. on va lui laisser le temps de revenir du coup. On attend Kenton en fait. On attend que Kenton revienne des toilettes. Il fumait sa cigarette. J'espère, il est parti dire bonjour à son perroquet. Ce que j'espère pour lui, c'est qu'il avait le son aux toilettes. Mais sinon, Cube, tu peux venir sur le Mumble aussi. Hein. Ouais, si t'as des couilles. À défaut d'avoir des cheveux. Kenton est en train probablement de se laver les mains. Cuberta, il dit iTruc, c'est la meilleure campagne anti-tabac du monde. Oh, c'est pas gentil. Alors. Alors, on est où avec Kenton ? Alors, Kenton, je sais pas, j'ai pas sa géolocalisation spécifique dans son appart. Vous avez personne d'autre sur le Mumble ? Est-ce que ce serait pas un forfait du Mumble ? Non, c'est pas un forfait du Mumble, parce qu'au pire, on peut passer à Karine. Oui. Toujours, Karine. Toujours. Oui. Bonjour, alors... Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, Karine. Bonsoir, Karine. Karine de Bâche. Alors, Karine, du coup, quand tu fais une émission, J'utilise de la ciboulette et des castors en enlevant les poils, mais je rajoute des poils qui ont déjà été utilisés. Je lui colle un balai dans le cul, et je range le tout dans une mallette. Okay. J'ai oublié mes chaussettes, mais vu à quoi elles ont servi, il valait mieux pas. Impeccable. Voilà. Il faut que tu rajoutes quelque chose. Ah oui, merde. Elle a dit voilà. Non, j'ai pas dit voilà. Ah si, j'ai dit voilà. T'as dit voilà. Mais oui, je dis toujours voilà. J'ai dit elle est le même. Bonsoir, Karine. Donc du coup, tu rajoutes quoi, Karine ? Et j'oublie pas mes billets de train. Et j'oublie pas mes billets de train, ok. Ouais, c'est toujours pratique un billet de train. Alors attends, ça donne quoi ? Est-ce que tu peux répéter ce que tu as rajouté, Karine ? Les billets de train. Et j'oublie pas mes billets de train. Je n'oublie pas mes billets. D'accord, donc du coup, ça fait... Putain. Quand je fais une émission, je prends de la ciboulette, un castor, je l'enlève des poils, je remets des poils d'autres castors, je lui mets un balai dans le cul, je le fous dans une mallette, j'oublie mes chaussettes parce que voilà, mieux c'est mieux vu à quoi elles ont servi, et je prends un billet de train, et malheureusement, c'était le train pour Pau. Non. Ok. C'est bien sûr, ça passe. C'est à peu près bon, hein. On va dire que c'est à peu près bon. Qu'est-ce qui était faux ? Oui, bon, oui, il y a plus d'alcool ici quand même. C'est quand même fort. Non, non, c'était j'oublie pas mes billets de train, mais on va juste dire billets de train. Mais il y a beaucoup plus d'alcool ici. Alors là, ici. Vous chipotez. On n'est pas à 10 mots près. Oui, c'est le nom d'une sauce, ça, le chipotelin. C'est pour ça qu'on l'accepte. Alors, Kenton, il est revenu ou passé avec quelqu'un d'autre ? Il s'est perdu dans son appart. Je pense qu'en fait, il a pissé par terre en voulant revenir. Il est le plus grand appart du monde, il lui faut une petite voiturette pour le traverser. Du coup, c'est iTruc. Sa taille, c'est le plus grand du monde. iTruc ? Oui, je suis là. iTruc, vas-y. On fait une émission, qu'est-ce qui se passe ? On dit iTruc ou iTruc ? iTruc. Très bien. Donc, quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette et des castors dont je relève les poils. J'ai remis des poils qui ont déjà servi. Je mets un balai dans le cul. Vas-y. Je le mets dans une mallette où j'ai oublié de mettre mes chaussettes, mais c'est tant mieux vu ce qu'elles avaient servi. Oui. Et je n'oublie pas de prendre les billets des trains. Oui. C'est tant mieux parce que c'était un billet des trains pour le train pour Pau. Oui. Et que j'allais pas à Pau, j'allais à Toulouse. Ok. Toulouse, quelle imagination. Toulouse. Bah moi je suis pas du tout à Toulouse. Non, Toulouse hein, c'est une belle imagination. Parce que dire que monsieur a Nothing Toulouse. Du coup. C'est un cadavre esquis. La terrasse, elle dit quoi ? Je suis ces mecs qui réussissent sans comprendre. C'est le tour de moi. Donc oui. Quand j'enregistre une émission, je sais pas quoi parce que je suis parti pisser. Donc tu sais pas. Vas-y, je prends le relais c'est pour Azertov. Je remplace Azertov et je bois de la liqueur de pomme en plus. Enfin, de l'eau de vie de pomme. Non, bah on va dire que c'est perdu. Et donc, c'est quand je fais une émission, j'utilise de la ciboulette et un castor, j'utilise des poils, enfin je le dépoile
Et après, j'utilise, je lui remets des poils déjà utilisés. Voilà. Je lui mets un balai dans le cul. Ouais. Puis je le mets dans une mallette. Ensuite, je lui mets des chaussettes, mais c'est pas plus mal parce qu'elles sont déjà utilisées. Non, j'ai oublié mes chaussettes, mais c'est pas plus mal vu qu'elles sont déjà utilisées. Et puis, faut voir pourquoi. Ensuite, je prends des billets de train. C'est parce que je suis un robot. Et là, c'est bon, le train je crois qu'on a perdu. Pau, mais je n'allais pas à Pau, j'allais à Toulouse. C'est toujours ouais. Non, mais c'est perdu. Parce que non, c'est très approximatif. C'est très approximatif, mais je pense que j'ai les grandes lignes. Ils sont. Et après Toulouse, bah, j'ai pas écouté en fait. Puis, je vais à Castres. Par un putain de papillon de nuit. Et je me fais attaquer par un putain de papillon de nuit. Voilà, tiens. C'est quoi du coup? C'est quoi alors? Et je me fais attaquer par un putain de papillon de nuit. Ok. Ah, d'accord. Bon, je propose qu'on arrête l'émission là-dessus. Je propose qu'on arrête de faire du podcast. C'est bon ou pas? Il y a beaucoup trop d'eau de vie ici. Bah, c'est toujours bon, ouais. Donc du coup, ça continue. Je dis qu'il a pas bon parce qu'il a dit des trucs. Est-ce que Kenton est revenu? Ça va être difficile là, les gars. Par exemple, il est jamais là. Il est fatigué. Ça va être à toi, David, après. Ah non, moi, je joue pas. Moi, je suis mais co-animateur. Joue pas. Je ne joue pas. Passe avec moi. Oh bon, ça va non, être après. Alors, du coup, sur... Vous ne pouvez pas participer au jeu. Et la terrasse, on baisse d'un ton. Alors, du coup, sur le Mumble... Et la terrasse, on baisse des tons. Est-ce que Kenton est revenu? Bah, écoutez, elles sont à l'abri, les tons. Oh. Non, je crois pas. Et non, Kenton est parvenu, du coup c'est ta part. Comme le professeur. Si, je suis là, je n'arrête pas de le dire, je suis là. Bah oui, mais fallait il fallait de mettre ton micro. Alors, vous avez perdu? Non, on a tout connexion, quoi. Alors, du coup, est-ce que tu as raté des trucs, non? J'ai raté des trucs. À peu près, j'ai raté 10 minutes, quoi. Donc, Ah oui, donc t'as raté des trucs. Du coup, pof. C'est à moi. Ouais, ça j'ai entendu qu'il y a un billet de ciné, de train, de machin. Je vais faire ce que je peux, mais je me souviens pas de tout. Ok, allez. Alors, pour faire une émission, du coup, j'ai besoin de 6 boulettes, d'un castor auquel t'enlèves les poils, tu remets des poils qui sont déjà utilisés. Mais j'ai oublié mes chaussettes, mais c'est pas plus mal vu ce à quoi elles avaient servi. Et ensuite, du coup, j'ai oublié mes billets de train, mais c'était un train pour Pau, mais en fait, pas du tout, c'était un train pour Toulouse, et je me suis fait attaquer par un papillon de nuit. Ouais, ça passe. Il manque un truc. C'est pas ça, il manque un truc. Il manque le quoi? Il manque le balai dans le cul. Ah, il manque le balai dans le cul. Et je le mets dans une mallette. Oh, la mallette. C'est une défaite du monde. Criez, s'il vous plaît, arrêtez de crier. Non, mais l'avantage, c'est qu'on entend juste cruc et puis après, on n'entend plus rien. Ah, attends, merci, mec, tu as tué Pamela. J'ai juste perdu. C'est perdu. Est-ce que du coup, comme c'est perdu, on peut faire un autre jeu plus marrant? Alors, si vous voulez, j'ai un autre jeu qui est plus marrant. Moi, mais buvez avant. Alors, attends, qu'est-ce que c'est? Ils ont juste du jus d'orange. David, tu bois? David, est-ce que tu peux nous présenter? Putain, c'est vraiment facile quand même. Hein. Ils ont pas chaté. David, est-ce que tu peux présenter le prochain jeu pendant que Phil va nous servir des bières? Non. David, tu bois? J'ai une chatreuse, c'est une espèce de cacard. Mais je pense qu'ils sont à freestyle. Phil, vas-y, Phil. Phil, tu bois? Vous lavez la chambre, y a pas de problème. C'est une auditrice de. C'est une auditrice de nos jeux. De nos machins à la con. De nos conneries. Si elle dit vous lavez la chambre, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça fait partie de nos espèces d'enregistrements quand on appelait des hôtels pour les faire chier. Et qu'à un moment donné, Mathilde prenait la voix d'une chaudasse. Et l'hôtel nous fait mais vous lavez la chambre, il n'y a pas de problème. C'était l'hôtel de Paris. Soit c'est une énorme coïncidence, soit tu as écouté ça. Karine, on veut tout savoir. Bah en fait elle a juste lu le chat parce que c'est Cubertoy qui demandait à Karine de le dire. Ah, c'est de la triche. Et je dis pourquoi? J'ai pas mis dans le truc. Mais range ta bite Cubertoy putain. Et en fait je viens de le voir sur le concept de celui-là c'était on avait un mec qui appelait un hôtel. Non on avait Mathilde qui prenait la voix d'une un peu chaudasse qui appelait un hôtel. Et au bout d'un moment elle toussait et la voix passait à un mec. Il s'appelle Lloyd. Et le gars était un peu décontenancé au téléphone. Il se rendait compte que ce n'était pas une chaudasse, mais plutôt un mec un peu enroué. Un peu belge. Ah. Et belge, de surcroît. Qui pisse à 7 mètres. Le jeu suivant, donc c'est un Kikator. Sur la plage. C'est pas bro, c'est... Mais Karine, franchement, on a bu, faut pas dire Kikator, ça. Bâtard. Bon. Ça pourrait nous réveiller. Ça pourrait allumer le feu. Alors le Kikator, on rappelle le principe. Quoi, le alors que Kenton l'aurait dit, ça nous aurait moins réveillé.
Alors le prince c'est un Kickator, David, tu encore nous le rappelles. Et oui, c'est un... oui, mais ça c'est moi qui ai fait les questions. Oui, mais ça c'est écrit par Phil cette fois. Et oui. Ah bah ça va. Très mal placé. Parce qu'en fait, t'as on les fait comprendre. Il y a une chance que ce soit plus intelligent que quand c'est par David. Le mec, il a un avatar dessiné. On peut lui faire confiance. Une seule est fausse ou une seule est vraie, Kenton. Comment tu veux qu'on fasse? Tu poses la première au Mumble? Bah je pensais oui, poser la première au Mumble. La deuxième, tu la poses sur la terrasse, etc. Alors du coup, tu les poses sur la table. Sur la table basse, exactement. Donc qui c'est une question, dit, c'est une question informatique. Ce petit combo. Mm-hmm. C'est une question informatique. Et donc c'est tout le Mumble qui participe. Ah, et vous devez vous décider entre moi. Vous. C'est une équipe. Oui, toi tu fais partie du Mumble. Ok. Donc je vais vous donner quatre affirmations. L'une est fausse. D'accord. Ça réchauffe. Ou l'une est imprécise ou une est incorrecte. D'accord. C'est quoi imprécise? Ou alors à l'inverse. Ça réchauffe bien. Ou alors à l'inverse, il se trouve que il y en a trois de fausses et une de juste. Voilà. C'est... En gros, faut bah trouver. En gros, il y a un intrus quoi. Y a un intrus. Une seule est fausse ou une seule est juste. Alors, 90% de l'argent mondial est stocké informatiquement. Le mot de passe pour les ordinateurs en charge des missiles nucléaires aux US était 0000, pardon. Attends, 0000. On s'en fout. Et enfin 8 fois 0 quoi globalement pendant un an. La maison de Bill Gates a été conçue sur un Mac. Où 80% des mails envoyés sont des spams. Spam. Non, moi je dis spam, je dirais que c'est l'histoire des codes nucléaires parce que ça sent la légende urbaine. Oui, sensation spam. Ah ouais. Moi j'aime bien la 2 aussi. Ouais. Pareil que Pof. Moi je dirais pareil que Pof, ouais, le code 000. Kenton, il est tout seul. Qui sont cons les Américains, ouais, mais je suis sûr de la juste. C'est spam. Mmh. Tu penses que c'est spam et t'es sûr, ouais. Kenton? Bougez-vous okay. Le cul, on a soif. Alors du coup, vote, ou vous voulez vous rallier derrière Kenton qui a l'air sûr de lui? Non, on a soif. Parce que je pense qu'au niveau de code nucléaire, il y a quand même des gens qui s'y connaissent un minimum, quoi. Je pense pas qu'en haut de l'État, t'as... Mais justement, en fait, justement, on est en train de dire que c'est la seule qui est fausse. Et que toutes les autres sont vraies. Ah. J'avais pas compris ça. Donc on est tous d'accord? Donc du coup, ben on est tous d'accord, c'est vous bon. On est tous d'accord, c'est le mot de passe. Bah du coup, si tout est faux, le code nucléaire. Alors, effectivement, c'est quoi les connards qui rigolent? Ils sont morts de rire, ils jouent avec leur téléphone et ils pensent pas à muter leur. D'accord, ils jouent avec un hoodie et ils font des photos. Donc, alors effectivement, vous aviez raison. Vous aviez raison. C'est effectivement l'intrus. C'est bien que le mot de passe pour les ordinateurs en charge des missiles nucléaires aux US était 8 fois 0 pendant un an. Fait, ce n'était pas vrai, ça. C'est ça. Non. Alors en fait, c'était faux parce que c'était pas pendant un an, c'était pendant 8 ans. Ouais, j'ai déjà entendu un truc comme ça. Mais non. Je te jure. Alors après, c'était les ordinateurs en charge des missiles nucléaires. C'était pas le code d'activation du président. D'accord. C'était juste c'était pour se loguer quoi. Hein. Voilà. Admin 0000. Ouais. C'est ça. Bon, ça va être à nous. Donc ça va être ouais. À vous. Vas-y. Alors. Et franchement les gars, c'est hyper compliqué à partir de là. La chartreuse fait son effet. C'est compliqué pourquoi? À cause de la surtout, chartreuse, à cause de la cause pomme de la ou à cause des deux? Cache pas que nous on a une émission derrière. La chartreuse et le rhum font. Non, mais c'est mort les mots, on le fera pas. C'est sûr. On va la laisser celle-là. On va laisser celle-là. Horrible. Animaux. Animaux. Ouais. Les empreintes digitales d'un koala, oui. De cobalt, sont indiscernables de celles d'un humain. 3% de la glace de l'Antarctique est du pipi de pingouin. Je suis tellement bourré que je pourrais dire n'importe quoi. Un kangourou ne peut pas péter. Pas péter, c'est les limaces ont 4 nez. Ah, hein? Les limaces ont 4 nez. Non. C'est la première. Les kangourous ne montent pas de papeterie, c'est non, ça? Non, c'est la première. Non. C'est la. On redit la première. Ils vendent pas de papier. Les koalas. C'est les empreintes digitales d'un koala sont indissociables. C'est vrai. Celles d'un oui, humain. C'est ça. Ouais, c'est les koalas. C'est les koalas. Je vous rappelle qu'il y en a soit une de vraie, soit une de fausse. Oui, mais on dit ça. Non, mais c'est celle qui est vraie. Celle qui est vraie, c'est les koalas. Au moins, celle-là, elle est vraie. Du moins pour Cobal, Docteur Koala, ouais. C'est les mêmes. Putain, ah, Phil, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça peut être une vraie, une ou trois de vraies, en fait. Voilà. Vas-y, j'ai une question, les koalas, c'est les musulmans qui raisonnent ou pas? Les empreintes digitales d'un koala sont indiscernables de celles d'un humain. Ça, c'est vrai. 3% de la glace de l'Antarctique est du pipi de pingouin. Faux. Non, ça, ça me... Un kangourou ne peut pas péter. Pourquoi pas? Et les limaces ont 4 nez. C'est la 2, en fait. La 2 est fausse.
Donc c'est la 2 qui serait fausse. La 2 qui serait fausse. Ouais, la 2 est fausse. Ouais, c'est la 4 qui est fausse. C'est la 4 qui est fausse. J'ai 2 pour 4 et 2 pour 2. Hein. Enfin, non, moi je dirais la 4 qui est moi, fausse. Moi j'ai 2 par Dieu. Moi j'ai 2 qui est fausse. Ouais, c'est la 2 qui est. Je l'ai dit, hein. Moi aussi. Moi je vois. Moi aussi. C'est 3% de la glace de l'Antarctique et du pipi de manchot. Et c'est pas des pingouins. Enculé de pingouin! Attends, t'avais pas la bonne version de Linux. Non, ouais, mais c'est ça, ils ont mal développé en vrai, dans tout ça, est-ce que l'important, c'est pas l'amour? Et donc, 0 point de l'autre côté. Est-ce que l'important, c'est pas l'eau de vie de pomme? Est-ce que l'important, c'est de pas gueuler dans vos micros, comme ouais. ça, ça arrête de couper? L'important, c'est la chartreuse. C'est l'important, c'est la rose. C'est ce qu'il y a de plus beau. Alors là, pour la dernière. Oh, mais c'est affreux! C'est une horreur. Alors moi ce que je propose David, c'est que pour la dernière, en fait les deux équipes aient l'occasion de donner leur réponse. Check. Ouais ouais c'est bien ça. Avant le truc, si ça te dérange pas je la lis. Alors on va parler préservatifs. Alors écoutez bien. Alors les préservatifs ne peuvent pas être utilisés par des véganes car une protéine de lait est utilisée lors de la fabrication du latex. Vrai. Les préservatifs, mais réponds pas Kenton, ils doivent donner leur réponse eux aussi. Ah pardon. Bah oui. Oui. C'est Kenton, il comprend pas. Eux aussi. Alors, c'est Kenton, les préservatifs sont testés avec de l'électricité. Aux Jeux Olympiques de 2014, il a été utilisé en moyenne 10 capotes par athlète. Oui, oui. Oui. Il existe un bouton Amazon Dash pour la marque de préservatif Troyan. Non. Oui. Non. Non. C'est faux. C'est la 4 qui est fausse. Ok, donc on a la 4 du côté de la terrasse. Qu'est-ce qui se passe du côté du Mumble? La terrasse. Lui, la tête de David. La terrasse. Alors, nous sommes sur la terrasse et actuellement nous David buvons. Se penche de plus en plus du côté droit. Tu peux me il répéter se penche la 4 du côté qui alors, tombe. La 4, c'est sachez-le. Un bouton Amazon Dash pour la marque de préservatif Troyan. Alors en réalité, aucune n'est fausse. Parce que c'est probablement la 4 que tu considères comme fausse, sauf que maintenant, il y a les virtual Amazon Dash Button, et donc du coup, il y a effectivement un bouton Amazon Dash pour ce que tu veux. Oui, alors là, tu chipotes. Tu chipotes. Du coup, les autres, ils en pensent quoi? On va dire que t'as tort. Il va tomber. La 4 est fausse, et puis c'est tout. Alors, Pof, tu ne cherches pas Amazon Dash Troyan Button. Donc, il y a Pof, il triche. Pof, il ne peut pas donner de réponse. Je ne donnerai pas de réponse. Pof, il ne peut plus donner la réponse parce qu'il triche. Du coup, le Mumble, on attend votre réponse. Sinon, la réponse 2 est fausse. C'est quoi la réponse 2 ? Oh, la réponse 3. Alors, en fait, eux, ils changent de réponse tout le temps. Quoi. Bon, déjà, dans l'ordre, le Mumble. Donc, Kenton, Karine et iTruc, qui peuvent encore répondre. Vous dites quelle réponse. Allô ? On veut le... 42. L'Interville. Oh, la terrasse, on se calme ou on vous mute. Oh là là. La jurisprudence Interville, c'est quoi ? Alors, on en est où ? Alors, du coup... On en est où, Phil ? Ben, on en est que moi, j'attends toujours la réponse du Mumble, qui m'en a pas donné. Mais la réponse 3 est fausse. La 3. Alors, du coup, le Mumble, vous dites quoi ? 42. Mais il n'y a pas de 42 questions, Kenton. Franchement, vous, je vous recommande, la 11, elle est pas mal. Du coup, Karine. C'est la dernière. Le Amazon Alors Dash. Ici, on a de l'eau de vie pomme, de la chartreuse et de la bouche de nuit. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, iTruc, tu dis quoi ? Je vais suivre les autres, l'Amazon Dash. Ok, donc le Mumble, on est sur l'Amazon Dash qui est Tu veux de la chartreuse ? Ok. La terrasse, ils ont dit quoi ? Ils ont dit la 11, la 3, c'est ça ? La 3 qui est fausse. Ok. La 3 qui est fausse. Eh bien, c'était pas 10 capotes par personne. Eh bien, vous aviez raison, effectivement, c'était pas 10 capotes en moyenne par athlète, mais 35. Comment on vous déchire ? Enculé de pervers. Imen. Alors. Imen body. Tout ça, pour passer de la drogue dans le cul, quoi. Bravo les mecs. Je trouve ça sent, quoi, que les athlètes, ils sont plus... Qu'est-ce que c'est le sujet d'après ? Non mais Chotan, alors c'est toujours Chotan, un les capotes, c'est pas pour s'enculer, c'est pour toujours se mettre dans le cul, on le sait. C'est toujours un kickator, on va fonctionner de la même façon. C'est ah oui, c'est le dernier kickator. Les sujets du voilà. Toi, t'as jamais fait les JO en Dallas pour ça. Alors, parmi ces sujets du 18-25, se cache C'est le dernier kickator, fil ou pas ? Oui. Se cache. Après, il y a de la répartition de trucs, c'est rigolo. Les sujets du 18-25 de jeuxvideo.com, bien entendu. Ah oui. Oh putain. Donc il pourrait y avoir un intrus parmi ceux-là. Alors, le sujet, j'ai le pénis coincé dans un iced tea. Ma chienne a mangé une capote. Pété dans un yaourt entrouvert. Je parsème mon sperme sur des gens dans la rue.
L'idée, c'est de trouver. Ouais, je pense que c'est la première. Je pense que c'est yaourt, moi. Répète, s'il te plaît. Il y en a que un de faux. Alors, parmi ces sujets, j'ai le pénis coincé dans un iced tea. Ma chienne a mangé une capote. Oui. Pété dans un yaourt entrouvert. Non. Je parsème mon sperme sur des gens dans la rue. C'est plus compliqué, ça. Je pense que le C est quand même compliqué. Alors j'hésite entre le C et le D, mais le C, c'est faisable. Non, le C est faux pour moi. Le C est faisable parce que les gens sont sales. Le D est plus compliqué par rapport au fait des gens dans la rue. Ouais. Alors dans ce cas-là, c'est le C. Je pense que le C est faux, moi. Du coup, le Mumble, il dit quoi? Bon, messieurs, faut se mettre d'accord. Moi, je dis que le C est faux. C'était pas bien gros, alors ça Mumble a pas envie de répondre, ouais, le Mumble il répond pas. C'est faux. Si, si, on est là. Et alors du coup français est faux. Moi je dirais péter dans le yaourt qui est faux. Ok. Kenton, Karine. La même réponse des deux côtés. Pas je sais rien. Pareil. Non, mais moi j'aurais pareil. T'as froid? Parce que tous les autres, c'est des choses que j'ai déjà vues sur internet. Ok. Alors en fait, c'était un piège et c'était juste pour le fun, mais tous ces sujets sont véridiques. Et existe vraiment sur le 18-25. Bon. Bref, du coup. Alors, Phil. Bon, on avance parce que on s'est. Alors, on a fait une petite sélection de sujets de faits divers. Ouais. Certains viennent de. Du coup, c'était quoi la réponse? C'était ils sont tous vrais. C'était une vanne. En fait, j'ai pris des faits divers qui viennent de la région de la Bretagne et de Rennes. C'est que des trucs qui se passent entre novembre et janvier à peu près. Ouais. Février. Et des faits divers. Et des faits divers qui viennent de Toulouse. D'accord, enfin des faits de Rennes et de Toulouse. Et il faut. Non, pardon, c'est pas des faits divers, c'est des faits tout court. Il faut deviner quel est. Où ça s'est passé, c'est ça? Attends. Ah, c'est ça. Il se rappelle plus de son jeu. Si, c'est ça. Faut deviner où ça s'est passé. On va passer parce que moi, je suis bourré, mais je m'en souviens. Oui, oui. donc, je vais vous donner un fait divers et vous me dites si c'est un fait divers breton. Attendez, écoutez bien. Phil va vous donner un fait divers et il faut deviner où ça s'est passé. C'est ça. Est-ce que c'est en Bretagne ou est-ce que c'est dans le sud-ouest? Ok. Alors, on va commencer par un jeune de 22 ans a tenté de violer une voiture de gendarmerie. C'est vrai! Qui c'est qui répond? Alors, c'est vrai, forcément, oui. Ça, c'est pas de souci. Bien joué. Mais surtout qu'on en avait parlé dans un 27/24. Ils sont pareils. Mais est-ce que c'est un mec du sud-ouest ou est-ce que c'est un breton? On dit bonne nuit à Kenton. Bonne nuit à Kenton. Ah, mais on nous a demandé où ça s'était passé ou qui? Alors, voilà. Sud-ouest. Alors, c'est un breton, mais dans le sud-ouest. Ouais. Non, c'est sud-ouest. Sud-ouest. Il manque le sud-ouest. Ivre, virgule. C'est sud-ouest. Breton. Vous votez sud-ouest. Karine, tu votes breton? Il vote sud-ouest ici. C'est breton. Okay. C'est ça. Bon, le Mumble vote breton. Les bretons votent sud-ouest. Bien joué. Eh bien, c'est un fait de Bretagne. Donc, c'est un point pour le Mumble. Ouais, mais tu sais, le ça sud-ouest, tombe sous le sens, la Bretagne, hein. C'est pareil. C'est bien, ça évacue des mémoires d'alcool. Alors. Il tente. Soyez attentif. Il tente de braquer trois commerces avec un couteau à huître. Il tente de braquer trois commerces avec un couteau à huître. Ouais, Bretagne. Bretagne. Arcachon. Bretagne. Arcachon. Sud-Ouest. Moi, je suis plutôt d'accord. Quasi, ouais. Alors, du coup, ça vote quoi sur la terrasse, du coup? Attends. Arcachon. Arcachon, donc sud-ouest? Sud-ouest. Arcachon. Ça vote majoritairement sud-ouest. Ok. Le Mumble? Bretagne encore. Non, moi je dirais sud-ouest, mais si je laisse les trucs tranchés. Les trucs, du coup? Bah, je dirais sud-ouest. Bon, tout le monde vote sud-ouest, du fait, en fait, globalement. C'est ça? Bon, bah. C'est ça. Il y a un point pour tout le monde. Il y a zéro point pour tout le monde, c'est en Bretagne. Ensuite. Ouais, mais où en Bretagne? Ah, bah ça, je sais pas. Parce que le bassin d'Arcachon, c'est pas loin. Hein. Oui, non, pour toi, la Bretagne, ça descend jusqu'à où? Arcachon, Finistère. Attention, on va complexifier les choses. Désormais, ça peut être. Il faut que tu mélanges un peu les cartes là. Oui, oui, attendez. On va complexifier les choses maintenant que vous avez compris le principe. C'est soit Bretagne, soit Sud-Ouest, soit ni l'un ni l'autre, soit Gorafi. Attends, c'est quoi? Soit Bretagne, soit Sud-Ouest, soit ni l'un ni l'autre, soit Gorafi. D'accord. Il y a 4 propositions. Ça devient okay. Dur. Bretagne, ouais. Sud-Ouest, rien. Alors, surpris par la police,
en train d'acheter du cannabis, il demande à être remboursé. Ah, ça vrai, c'est ça, c'est Bretagne, vrai. Ça. Bretagne. Allez, Bretagne. Mais tout le monde vote Bretagne, ce... Bretagne, bah oui. Ouais, Bretagne. Ouais, Bretagne. Bretagne. Mais c'était pas en toi. T'es con. Eh bien non, c'est dans le sud-ouest. C'était où? Je sais pas. Est-ce que la Bretagne, c'est pas un peu... Eh ben non, c'est la Bretagne. Préparé avec les pieds. Non, non, c'est dans le sud-ouest, y'a pas de soucis. Par rapport à Paris, c'est le sud-ouest. C'est aussi mal préparé voilà. qu'un épisode de l'apéro original. Ou que le feu de paix, ouais. C'est encore ce truc-là. Alors ensuite, la pomme. Je ferais bien un dossier sur les imprimantes. Ah ouais, hein. La pomme pique, hein. Nemo découvre la pomme, il souffre. Oh merde. Alors, c'est parti pour une nouvelle question. Il dépose une demande en préfecture pour une appellation d'origine contrôlée pour son cannabis. Il n'y a pas coup de là aussi. Excellent. Logographie. Ah oui. Et la Nièvre, une demande en préfecture pour une appellation d'origine contrôlée pour son cannabis. Donc c'est pas dans la Nièvre. Le Gorafi. Le Gorafi. Le Gorafi. Ouais, le Gorafi. Ici, ça vote Gorafi. Et vous, vous votez quoi? Moi, je voterais bien Gorafi aussi. Pareil. Bon, et bien pour une fois, vous en sortez bien, c'est Gorafi. Gorafi. Allez là! Alors, il demande à ses enfants de patienter dans la voiture pendant qu'il braque un tabac. Ça c'est vrai. La Bretagne. Ça c'est vrai, c'est pas Gorafi en tout cas. C'est vrai. Bretagne. Ni l'un ni l'autre. Sud-ouest. Bretagne. Sud-ouest. Bretagne. Je m'en fous, c'est de la pomme. Pof. Moi j'avais dit Bretagne. Bretagne. Karine. On est Bretagne. C'est Bretagne. Ça n'a pas. Non, Sud-ouest. Sud-ouest. Ok. Tu veux peut-être la Chartreuse alors. La terrasse, ça répond quoi? On a dit Bretagne, hein, c'est ça hein. Ouais. Oui, Bretagne. Ok, du coup, faut que le Mumble se mette d'accord. Bah, iTruc. iTruc. Ah, je vais dire Sud-Ouest, alors. Ok, donc majorité Sud-Ouest, et ben c'est ni l'un ni l'autre. Merde. C'était où? Je sais plus, j'ai pas noté. C'était rien du tout, en fait. Trop nul. Alors attention, attention, celle-là elle est On a elle deux complexe. Jeunes mariés qui sont en train de se faire des bisous. C'est mignon. Oui. Ils n'aiment pas des bisous. Ils se font des papouilles. Alors celle-là, attention, elle est complexe. Ivre, il vole un transpalette. Question suivante, monsieur. Ouais, Phil. J'y suis. Ivre, il vole un transpalette et sillonne les rues du centre-ville. Ça c'est vrai. C'est Yves, pas Gorafi. Alors, Ivre, il vote. Ivre, il vole un transpalette et sillonne les rues du centre-ville. Ça, je me Bretagne. C'est Bretagne. Ah, Bretagne. C'est Bretagne. C'est Bretagne et c'était relativement récent en plus. Je dirais bien Bretagne, ouais. C'était il y a un ou deux mois. Ok, donc Bretagne, tout le monde? Ah bah écoute, il a l'air tellement sûr, moi ouais. Je me rallie à On bof. Parle pas de shoot-up. Hein. Eh bien, c'est faux, c'est dans le sud-ouest. C'est pas dans le sud-ouest? Oui. Ouais, mais si ça se trouve, il est parti du sud-ouest, elle est en Bretagne, en train de faire pas d'être là. Alors, j'ai jamais dit qu'il était unijambiste, je sais pas pourquoi tu t'appuies unijambiste. Parce que... Alors ici, ils ont voté sud-ouest. En Bretagne. Non, en Bretagne, pardon. Pourquoi j'ai cru que c'était en Bretagne? Oui, parce que, récemment, il y a eu un sud-ouest qui a volé. Sud-ouest. Mais calmez-vous. Bah, s'il crie encore, je me casse. On peut les muter. Mais donc, du coup, tu voulais dire que c'était une voiture. Ouais, parce que je croyais qu'il avait volé un transpalette, j'ai mélangé deux histoires, mais il y avait un sud-ouest qui avait volé un truc avec un balai. Je sais plus. Phil, je t'avoue que j'ai perdu le fil. Oui, ben je suis là. On est à une égalité de 2 points partout. Du coup, oui, mais enfin, nous on a quand même plus de points que. Mais non, on est à 2 points partout. Oui, mais on est assez bon. Oui, mais on est égalité, mais on est plus égaux que les autres. D'accord. Alors, on va faire une petite dernière. On va faire une petite dernière. L'histoire de départager. Alors. Ah cool. On est égalité. Ouais. Vous êtes à 2 partout. Alors, vous êtes vraiment nuls parce qu'on a fait une sacrée flopée de questions. Alors, la police frappe à sa porte, il est nu et mange du cassoulet. Bretagne. Ah bah sud-ouest, sud-ouest, sud-ouest. Bah c'est chez Phil. Bretagne. Non, je l'ai lu, Bretagne. Moi je dis Bretagne non, parce non, que cassoulet c'est un piège. Je l'ai lu en plus dans le Telegram. Écoute, on fait bah pour cassoulet breton. Le cassoulet breton, le cassoulet breton, le cassoulet breton. Ça n'a aucun sens, breton. Du coup, le Mumble il dit quoi? Bretagne. Bretagne. Ok. Moi, ok. C'est ni l'un ni l'autre.
Ok, donc toi, Pof, plus près du micro, tu dis que c'est un piège. Moi, je dis que c'est un piège, que c'est ni l'un ni l'autre, mais mon avis n'a aucun sens car il est 4h du matin et que je suis épuisé. Là, c'est monté là. C'est ça. Je dis que je dis sud-ouest, mais en fait. J'ai des traces de pneus dans le pantalon. Ok, on est complètement en train de les perdre. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Bon, du coup, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font, mais j'espère qu'on va arriver à les rattraper. David ? David ? On l'a perdu. Je remplace David, on a choisi Bretagne. Vous avez choisi Bretagne, très bien. Et vous avez choisi ni l'un ni l'autre, c'est ça dans le mumble ? Ouais. C'est faux. Ouais, si c'est faux. Et ben, c'était Bretagne. Ouais. Vous avez raison. Alors maintenant. Y a pas de quoi te faire. Alors du coup, c'était qui avait gagné la valise déjà ? On était à 2 et 2. Ah, la valise, c'était eux, donc du coup, le premier jeu était gagné par eux. Putain, mais ils sont bourrés, quoi. Faites un effort. Alors, maintenant, on va passer au Google Blind. Qu'est-ce que c'est le Google Blind ? C'est un peu comme le trad chanson de l'an dernier, pour ceux qui étaient là pendant le pot de nuit. Sauf que là, on a fait quelque chose d'assez violent. C'est-à-dire, j'ai pris une chanson en français, à l'origine. D'accord ? Je l'ai mise dans Google Traduction. Je l'ai convertie en russe pour ensuite la convertir en japonais, en tchécoslovaque, puis ensuite en hindi, pour ensuite revenir en français à la fin. Et vous devez deviner de quelle chanson il s'agit. D'accord. Vous avez compris le principe. Oui. Okay. Alors, pour info, Hirschlo est bien rentré. Ah. Hirschlo est bien rentré. Ah. Dans qui ? Ah bah après... On a plus de nouvelles de Kenton. Mais il est parti se coucher, Kenton. Alors du coup, ce que je propose, c'est qu'on y aille doucement, c'est-à-dire phrase par phrase. Et doucement avec ta pomme. Ce que je propose, c'est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle phrase, c'est l'équipe d'à côté qui a la main pour répondre. Ça vous va ? On va tirer à pile ou face. C'est compliqué, ça. Non, mais on va faire simple. Je tire à pile ouais, ou face. Ouais, mais ici, tout le monde est bourré. Pile pour le mumble, face pour le machin. J'ai rien demandé, moi. En plus, bon, le gars, il tire à pile ou face, il fait tout pour me partir. Ok, donc... C'est la terrasse qui va démarrer, je donne la première phrase et vous devez deviner la chanson, d'accord ? Pour la deuxième, ça sera le mumble. Donc, okay. Prendre deux voyages. La première phrase, c'est prendre deux voyages. Deux voyages. Ça va être long si on fait comme ça. C'est voyage. Non, heureusement. Non ? Il faut essayer de répondre rapidement, on va pas vous laisser 30 minutes. Hein. C'est une chanson qui est en français à la base. Vous avez une réponse au Mumble. En plus, vous avez une réponse. Au Mumble. Au Mumble. Allez, au Mumble. Attends, j'ai pas compris ton déroulement du jeu. On demande à Kenton. Alors, j'ai pas compris si c'était une chanson française. C'est une chanson française. À la base, c'est une chanson française qui a été traduite par plein d'autres langues. D'accord, ça j'ai compris, mais je savais pas la langue de départ. Et donc, du coup, là, tu fais les phrases une à une. C'est ça. Et maintenant, ça va être à votre tour. Donc, on dévoile la deuxième. On a le droit de répondre qu'une seule fois. Donc, du coup, si on n'est pas sûr, on doit passer la main. C'est ça. Faire une virée à deux. Vous avez déjà passé la main. Vous avez passé la main. Mais ils ont fini par trouver parce que c'était trois. Prendre deux voyages. C'est vrai. Tous les deux sur les chemins. On l'a trouvé. Oh. Et voir la vie en bleu. Oui, c'est ça. Tous les deux, on sera bien. Répète. C'est prendre deux voyages. C'est vrai. Le soleil se lever. C'est vrai que ça pourrait te faire une virée à deux. On répond ça ou pas ? Karine ? Elle est morte. Elle est morte. Karine, elle est morte. Trop tard, Mumble. Ah non, mais ça crie. Oui. Bon bah on répond faire une virée à deux. Eh bien oui, c'est faire une virée à deux, ils auraient pensé à fermer leur gueule. Mais non, mais on l'a trouvé, arrêtez quand même. Vous l'avez pas trouvé, vous avez donné la main. Mais c'était pas votre tour, nanana. L'équipe de la terrasse l'a trouvé, monsieur. Ouais bah l'équipe de la terrasse nous a donné la réponse parce que c'était pas leur tour. C'est ça, ils avaient qu'à pas être bourrés. On l'a trouvé. Oui, ouais, vous l'avez trouvé, mais nous on l'a dit au bon moment. Et donc du coup ça donne faire de voyage, c'est vrai, dans votre voiture nous allons tous bien, les étoiles devraient être une étoile et le jour de notre départ, allez Thaïlande du Sud, enregistrement en bleu, faire tous les jeux, autre jeu de badminton le soir, piste de danse, etc. La suivante, alors du coup on va laisser le mumble commencer. Ok. Toujours une chanson en français. Le mumble va perdre donc. Alors le mumble, vous écoutez, première phrase c'est mobile toute la journée. Vous avez le droit de dire je m'en fous, je passe la main parce que j'y arrive pas. Hein, chanson juste... française toujours. On a juste ça. Hein. Pour l'instant, vous avez juste ça.
Mobile toute la journée. C'est ça. Ouais, je vois pas trop. Je vous fous pas la pression, mais on a la bonne réponse. Non, mais c'est pas grave, tu peux donner une. Si t'as aucune idée, tu dis le truc au hasard. Et puis... Grâce à moi. Ou tu passes la main. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une idée? Non, je okay. passe aussi. Non, franchement, on passe là. Ouais. Ok. Non, on va passer. Alors, la terrasse, écoutez bien. Mobile toute la journée. J'ai la donné... Ou écrit. Où le jerk. Quoi? Quoi? Et au téléphone ou à taper à la machine. Putain, ils sont tellement forts, bordel. Parce que c'est ça. Comment vous avez fait pour savoir la mobile pour téléphone. Je crois que cette fois c'est une anime. Mais comment ils font, putain? Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, même moi, j'aurais pas trouvé. C'est moi qui ai fait le jeu. On est bourré, il y a Shoutan. Putain, mais c'est pas possible. Là, c'était Nemo. C'est Nemo. Par le plus grand des hasards. Victoire par Nemo. Et oui, du coup, ça donne mobile toute la journée où écrit les yeux de Kelton, Joséphine l'attend, il prétend être dans le sable du type Dolly Parton, etc. Mais je comprends pas. Ensuite, on a quoi, Phil? Eh ben, écoute, je vais te laisser la main parce que c'est la terrasse qui commence, donc c'est à toi maintenant de faire les paroles. On démarre. Ah, c'est à moi de faire la première phrase. Allez. Non, mais tu vas le faire tant qu'à faire. Parce que je bosse beaucoup. Alors, la première phrase est je suis un bras de mannequin. Je suis un brave. Un bras de mannequin. Zazie. Je suis un homme de Cro-Magnon. Bon, on considère que c'est une réponse, hein. Et oui, c'est une réponse fausse. Un bras de mannequin. Je suis un bras de mannequin. Tu veux que je continue, oui, Philippe, oui, tu continues, c'est toi qui l'as fait, celle-là. Alors, je suis un bras de mannequin, soleil au soleil. Ça, c'est posé pour le mumble, c'est pour le mumble. Soleil au soleil. Ouais. Je suis un bras de mannequin, soleil au soleil. C'est très, mais c'est... Mais vous êtes passé combien de fois dans tous les sens? J'ai parce fait que là, 10 passes. Ça, c'est très heureux. Ah, toutes ça, c'est fini. Ah, c'est pas moi, j'ai pas fait même passe. 10 passes, c'était peut-être beaucoup. Hein. Ah oui, c'est plus. Allez, allez, allez. À la base, t'étais pas censé trouver dès la deuxième phrase aussi dans le chat. Allez, on accélère. Allez. Ok, je passe. Je désirerais que vous y alliez plus vite. Ok, allez, bon, bah, a priori, ça passe. S'il vous plaît. Si vous pouvez aller plus vite. Je suis un bras de mannequin, soleil au soleil, ravalé, personne et bientôt. Ah, c'est je suis un mannequin glacé, ravalé, homme pressé, les oui, mais putain, mais ouais, je l'avais je n'ai pas quand j'avais ma carrière est en jeu, je suis l'homme meilleur. Ma carrière est en jeu. Mais comment ils font? Alors, les gars, là franchement, s'il vous plaît, ça fait 3-0, je pense qu'on a gagné le jeu. Là, Stéphanie est tellement bourrée qu'elle le remercie d'une façon que vous n'imaginez pas. On a gagné la première manche. Wow. Oui, ça fait. Ouais, non, ça je fait suis 2-1. Absolument pas bourré pour faire ça. C'est quand on dit ça. Ça fait 2-1. Je rappelle que vous nous avez donné un point au Mumble. Oh putain, faut que vous arrêtez de crier par contre. Ils ont le point à la terrasse là. Ben ils ont 2 points. Et un point pour le Mumble. Non, non, un point pour le Mumble parce que vous l'avez donné au Mumble. Ça fait 3-0, les gars. Non, non, non. La prochaine, je l'aime beaucoup. Ça fait 2-1. Non, ça fait 2-1. Alors, du coup, David, je te propose de passer celle qu'il y avait juste après et de passer. Ah non, faut pas la passer, elle est bien. Non. Bon, ben la saute pas alors si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Bah, vas-y, go. Ok. Tu la sautes, je te saute. La terrasse au Mumble. Par contre, faut vraiment arrêter de crier, les gens, parce que ça nous qui pète les oreilles. Qui joue premier, la terrasse ou Mumble? Bah, du coup, c'est Mumble qui va démarrer, là. C'est Mumble qui joue en premier. Oui. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. J'ai retrouvé le bout du... Celle-là, je l'aime particulièrement. J'ai vu le bout du tunnel. Mais moi, j'y connais rien en chanson française, en fait. Eh ben, tu dégages. Ok. Eh ben, écoute, derrière, n'est pas été de sable avec ton son. Bah, j'ai pas d'idée. Est-ce que vous avez des idées, mes chers compagnons de jeu, qui sont quand même... C'est introuvable. Ouais, ben, on réfléchit. Même, hein. Oh, ça va, hein. Je te calme, hein. Au soleil. C'est un truc français ou pas? Oui, c'est français, oui. Tout. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, cette phrase? J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Et si vous n'avez pas tout compris, c'est que je suis trop beurré. Comment j'arrive à lire? Un rapport avec la Bretagne, peut-être, s'il est trop beurré. Un rapport avec la Bretagne? Il n'y a pas d'indice, hein, il est juste défoncé. Quand tu sauras. Alors, du coup,
Non, les Bretons typiques. Pas d'idée. Pense rien. Okay, vas-y, t'as les yeux rouges. Arrête. C'est pas ça. Bon, Phil, ça fait chier tout le monde. On peut avancer un peu. Oui, j'ai dit, c'est bon, la terrasse, allez, go. Alors, j'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle? Ah, attends, c'est connu ça. Ah, putain, c'est Maître Gims. Putain, bravo. Et c'est les paroles originales, on l'a même pas traduit, mais ça n'a aucun sens déjà de base. Donc, ouais. Ça veut tellement rien dire qu'on l'a laissé tel quel. Voilà. Mais c'est quoi la suite? C'est impossible! Il y a vraiment des paroles, je sais pas comment il a fait. C'est okay. Quoi la suite? C'est du mâle et de la femelle, parce qu'il le répète. Chupin, ouais, je suis un complexe. Grand fan du youtubeur. Tu veux en faire encore une ou pas? Regarde le mec, il y a une capuche, c'est ça qui me le rappe. Phil, tu veux changer de jeu? Mais c'est quelle chanson? C'est est-ce que je t'aime ou je sais plus trop quoi. Ah est-ce que oui, tu m'aimes. Elle est nulle. Ouais, c'est... Bah c'est du Maître Gims en même temps. Ah ouais, mais c'est pas qu'elle est nulle. C'est la même chanson en fait de A à Z, non? Allez, bon, quand même, on va laisser une dernière chance au Mumble. Parce que là, la première phrase devrait les mettre sur la piste. Qu'est-ce que t'en penses, David? Pour l'honneur. Hein? Quoi? Pour l'honneur, je propose de laisser la chance au Mumble de tenter celle-là, la dernière. Pour le prochain? Ouais. Tu veux pas changer de jeu? Ouais, on avance. Ok, on change de jeu, très bien. Au moins, nous, on perd dans la dignité. Ok, d'accord. Du coup, normalement, c'est le blind test à un doigt de Shooter. Et là, j'ai très peur. Ah, c'est le blind test à un doigt. Ouais, par contre, je précise. Je précise que c'est un joueur, tout le monde peut jouer. Non, David. Je précise que si vous gueulez de votre côté, nous on n'entend rien. Donc il faut que ça soit un silence complet. D'accord, silence complet pendant que Shootan joue à un doigt. La difficulté vient de deux choses. Il est pas bourré. Il est... Ah oui, il y a trois choses. Il est pas doué, il est bourré. Et le clavier marche mal. Et il fonctionne mal. Et en plus, il est rouillé. Alors. Allez, tout le monde peut jouer Mumble et tout le monde en même temps. Hein. On est ok, Phil, pour ça? Ouais, on est ok. Ok. Il marche plus. Il a beaucoup de mal à marcher, ce clavier. Mais il touche, il fonctionne pas. C'est-à-dire que ça fait 3 jours que je leur dis arrêtez, vous allez ruiner les piles. Maintenant qu'on est en direct, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de piles. Fais-la la boue. Il n'y a plus de piles good. Ah, ça marche. Okay. Alors, attends, vas-y. Attends, faut que je retrouve ma liste. Bon, pendant ce temps, vous pouvez parler entre vous. On est en train de perdre David. Je crois qu'ils ont vraiment pas. Ça va venir. Vous en faites pas. Quand j'ai proposé des chansons, je savais pas que j'avais ça. C'est un grand professionnel. On a passé tout à l'heure. Le dernier qu'on a passé. Allez, c'est parti. Il vous manque les... Attends. Aujourd'hui, c'est attends. Attends. C'est... Game of Thrones. C'est Game of Thrones. Ouais, j'allais dire. Ouais, vous l'aviez. Tant. On n'a pas la vraie musique. C'est-à-dire, s'il y a une seconde de décalage, c'est pour eux. Vas-y, Flag, chante. La seconde, alors. Keaton. C'est rien ça. C'est Shoot and Bourré. Attends. Star Wars. Mais à jeun, c'est comme ça aussi. Je vais prendre la pop. Faudrait que tu le prennes à zéro, Shoot and. Tout le monde a perdu. Alors, on recommence. Allez. Il y a rien. C'est une compo originale. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est Mario. Mais c'est pas Mario ça. Non. Attends. Petit Papa Noël. Denver. Denver le dernier. Denver. Putain, mais vous gueulez tellement, nous on entend que dalle de notre côté. Alors c'était Denver le dernier dinosaure. Oui c'est ça. Ah putain la vache. Bah on comprend pourquoi c'était le dernier hein. Non, c'est dur hein. Franchement c'est très 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 dur.
Vous entendez bien sur Mumble au moins? On n'entend pas très bien parce que vous faites que hurler, mais on va en faire un dernier pour la route. On peut voir que les copains d'Ender, quoi. On va en faire un dernier pour la route et après on va passer à la suite. Mais le problème, c'est pas de se rapprocher du micro, c'est que dès que vous parlez trop fort, ça coupe. Alors on parle pas. Oh bah, Jurassic Park est perdu. Oui. C'était Jurassic Park. Oui, c'était Mais il y a eu les deux premières notes. Ouais. Ils ont trouvé Jurassic Park avec deux notes. Mais il est accordé votre piano ou quoi? Trois notes. C'est les mêmes. Deux notes. Ouais, c'est les mêmes. Mais c'est trois notes. C'est pas deux, c'est trois. C'est deux tons quoi. Oui, c'est deux tons par contre. Je suis désolé, l'équipe Mumble, mais je ne comprends pas comment ils ont réussi à trouver ça si vite. Ah non, mais même plus longtemps, j'aurais pas reconnu. D'autant que ce n'était absolument pas les bonnes touches. C'est toujours un Jurassic Park. Parce que là, je trouve plus. Quelle est la dernière... Final Countdown. C'est Final Countdown. Ah, on l'a trouvé. Non, ça a été trouvé par Pof juste avant. Ah ouais? Ouais. Ouais. Pof avait trouvé juste avant. Ah ouais, mais vraiment juste avant. Affirmatif. Je crois pas. Si, si. Bravo, Pof. Bravo, Pof. Ah oui, d'accord. Pof, bravo. Merci, merci. Je pense qu'on peut arrêter l'émission. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Il fallait le faire, parce que c'était pas évident. Il est vraiment pas doué. Je peux pas faire la troisième. Bon, allez, fais-en une petite dernière, et puis après, on entaille des pipes, hein, parce que c'est l'heure d'entailler des pipes. Non, il y a le dernier jeu. On a un dernier jeu. Ah oui, non, mais oui, allez, il est tard, mec. On est déjà vachement à la bourre. Il est tard pour vous, nous. Après, on va se coucher. Vous avez. Vous bah non, après, il y a entaille des pipes. Il hein. y a entaille des pipes, déjà. Bah, bah vous le faites entre vous, ça va. Mais vous non, mais entaille des pipes, c'est censé être Nemo qui l'anime. Non, c'est bon, ils seront prêts. Ils seront okay, prêts. Ok, on s'arrête pas. Faudrait que Nemo soit encore à peu près en vie. Je crois que tu peux arrêter. Bon, on n'en fera pas une dernière parce qu'il s'est bleu. Star Wars! Ouais, c'est juste en... Bien joué. Il marche plus son clavier. On est allé au bout du clavier. Si. Non. Oui. Ah. Non, c'est bon, Shootan. On s'arrête là, merci. Est-ce qu'on est au bout du clavier? Enlevez les piles, je vous en prie. Les deux. Les deux, mon capitaine. On s'arrête là, on passe en taille des pipes, c'est ça? C'est ça. Bah, globalement, normalement, on devrait avoir plein d'autres trucs, mais on va faire en taille des pipes et on va faire sauter le reste. Ah ouais, parce qu'on est vraiment à la bourre. Bah ouais, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est toi qui as dit on s'en fout du. Bah oui, c'est pour ça que je te dis. Du coup, le répondeur, on le fait sauter parce que c'est pas bien grave. Et toi qui t'y connais, c'était un peu le tampon qui devait sauter. Je crois qu'il y avait pas beaucoup de répondeurs. Donc on a eu deux messages sur le répondeur, on les diffusera tout à l'heure. Il y a eu deux messages, il y en a eu un, c'est Damien qui disait que tu faisais une intro. Oui, donc on s'en fout du répondeur. Et l'autre, c'était Arthur Froment qui demandait si on allait refaire des trucs Bad Geek, pas de choses. Et plus l'émission avance, plus moi je sais pas trop. Plus j'ai des doutes, ou alors physiquement, comme ça on peut vous mettre des baffes. Comme ça on peut régler, on peut utiliser autre chose que la main. Alors salut les petits lovers, les petites images, ça fait ça. Vous aimez les petites filles? Vous aimez le manga? Bien, cette émission est peut-être pour vous. David, est-ce que vous êtes prêt de votre côté? Est-ce qu'on peut vous passer la main sur le stream? What? Est-ce qu'on peut vous passer la main? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que vous pouvez gérer à partir de là pour vous tailler des pipes? Oui, on est prêts, ils vont enchaîner, puis moi je vais dormir. Ok, très bien. Mais pas de soucis, on vous met un petit jingle de transition. C'est votre dernière ligne droite, hein, parce qu'on a très bien compris que vous alliez partir après. Petit jingle de transition et c'est à vous.